parution. Parution qui est bon, qui constitue en soi quand même un événement. C'est toujours un événement, une parution, mais là, spécialement pour ce qui concerne notre ami Gluskar, car François Négrenier et moi-même avons eu la chance de le pratiquer de son vivant. Dans la mesure où ce penseur qui a été superbement ignoré de son vivant, enfin ignoré, au sens où on dit je t'ignore, hein, c'est-à-dire on savait qu'il était là, mais ceux qui le savaient et qui auraient pu assurer une résonance médiatique se sont bien gardés de le faire, on y reviendra certainement. Voilà que ces livres ne sont jamais aussi bien vendus, voilà que. Il apparaît de plus en plus, si vous regardez de nombreux blogs et forums qui le concernent, vous verrez qu'il est universellement reconnu par ceux qui reprennent quelques-unes des articulations fondamentales de ses pensées, aussi bien que parmi ceux qui le critiquent. Il est reconnu comme étant un de ceux qui, avec une lucidité sans égale, à ma connaissance en tout cas, je veux dire, a prévu la crise, non pas du tout de manière prophétique, hein, une manière extrêmement analytique, c'est encore plus saisissant, une quarantaine d'années à peu près avant tout le monde. Je rappelle que c'est Michel Gluskar qui a forgé la notion, le syntagme, comme on dit, de bonjour Emery, de libéral libertaire. On commence à peine à populariser cette expression depuis quelques années, enfin c'est quand même lui qui l'a forgé il y a presque une génération maintenant, et donc il y a une quarantaine d'années. Associer les deux mots était indispensable. Il y avait le libertaire Cohn-Bendit contre le libéral Pompidou. Alors que Gluskar a montré, par ses raccourcis saisissants dont il avait le secret, que mai 68 est une espèce de comi-tragédie, je pèse mes mots, de comi-tragédie. Une tragicomédie. Non, justement, je préfère dire comi-tragédie parce que ça a l'air de commencer bien. Ça commence dans la fête, mai 68, on rigole. Et puis ça se termine comme on sait. C'est-à-dire par une vague contre-révolutionnaire sociale et économique sans précédent depuis les années 30, quand même, qu'on peut résumer par l'expression de Gluskar, tout est permis, tranquille, mais rien n'est possible. Tout est permis, mais au Pôle emploi, si vous préférez. Ou comme il dit encore, le propre du libéral libertaire par rapport au capitalisme de papa, hein, qui a été liquidé après la guerre assez rapidement par le plan Marshall. On y reviendra aussi, mais comme il dit très bien, le propre du régime dans lequel nous vivons, libéral-libertaire, cette union sacrée de Cohn-Bendit et de Pompidou, de la grande finance, si vous voulez, et de sa prétendue contestation libertaire, c'est d'être répressif vis-à-vis du producteur. C'est d'actualité, hein, on attaque la retraite maintenant, bientôt le système de santé, répressif vis-à-vis du producteur, et permissif vis-à-vis du consommateur, répressif au niveau social et permissif au niveau sociétal, c'est tout le secret, vous voyez, de ce nouveau... Bon, tout ça, je ne veux pas trop insister, parce que l'actualité de la soirée, c'est l'apparition d'un livre qui porte sur la vie, sur l'homme. Et en ce sens, c'est une première, parce qu'il y a de plus en plus, à la faveur, à la vitesse à laquelle se répandent maintenant les idées de Gluskar, on le doit essentiellement aux éditions de Liga, qui ont courageusement entrepris d'éditer ou de rééditer, selon le cas, plusieurs de ses ouvrages. Et maintenant que sa diffusion est assurée, on agite beaucoup ses idées et l'homme est mal connu. Or, vous me direz quelle importance, hein, quand on connaît la vie du bonhomme Corneille, comme on dit, hein, dans les manuels de littérature, le bonhomme Corneille qui a une vie tout à fait ordinaire, quand on connaît sa vie, on ne voit pas ce que ça ajoute à Horace ou à Cinna. Voilà, place royale. Mais par contre, dans le cas de Gluskar, il faut penser plutôt à Rousseau, c'est-à-dire à ses écrivains, dont l'œuvre, dont la vie est une partie de l'œuvre. Comme vous voyez, l'œuvre de Rousseau, il faudrait 40 cinéastes, pas vrai, pour la raconter, quoi, hein, 40 réalisateurs différents, et de rebondissements assez extraordinaires. Eh bien, Gluskar aurait pu avoir la même devise que Rousseau. Je cite Rousseau là deux fois parce que c'était un des rares penseurs dans lequel, parmi lesquels Gluskar avait identifié un ancêtre, une fondation, si vous préférez. C'est-à-dire, la devise de Rousseau, c'était « vitam impendere vero », faire dépendre sa vie du vrai. Oui.
Voilà, et le livre de François Negroni, pardon si je parle dans son dos là, mais vous l'exprimez directement d'une autre manière, mais il n'est pas une biographie, je tiens à le dire, de Michel Touscar au sens classique, c'est-à-dire voilà, de sa naissance à sa mort, non. C'est un ouvrage qui commence par la première rencontre de l'auteur et de Michel Touscar, un rendez-vous professionnel d'éditeur, et comment à partir de cette rencontre jusqu'à la mort de Touscar, les relations quasi quotidiennes, ou en tout cas très récurrentes avec ce dernier, modifient peu à peu le point de vue de l'auteur sur les choses, les gens, sur l'être, sur l'histoire, sur ce qui nous entoure et sur les gens. Voilà, donc c'est... Donc si, pardon si je le dis comme ça, c'est une partie de la biographie de François de Negroni à partir du moment où il rencontre Michel Touscar. Maintenant, pour ceux qui connaissent mal la parce que j'ai dit que ses œuvres commencent à se diffuser, mais enfin, je veux dire, il est encore victime, si vous voulez, de la traque médiatique dont il a été l'objet pendant ce qu'il appelle lui-même les 30 honteuses, n'est-ce pas ? La période qui va des années 70, qui voit apparaître en même temps l'explosion du capitalisme financier, la régression progressive de l'investissement industriel et les idées libérales libertaires, comme par hasard, y compris en philosophie. Hein. C'est l'époque où Nietzsche remplace Marx, où Céline remplace Aragon, où Heidegger remplace Hegel, etc. Le cheminement de cette pensée est inséparable chez Touscar d'une certaine discipline qu'il s'imposait lui-même dans le rapport aux êtres et aux gens à la quotidienneté. Donc, pour ce qui est de sa pensée, je vais résumer en très, très quelques-unes de ses idées basiques, si vous voulez, ce sera forcément abstrait, pas au sens de difficile à saisir, non, mais abstrait au sens un peu trop général. Mais je le fais avec d'autant plus de tranquillité, cette fois-ci, de résumer par de sèche généralité, sa pensée que le livre de François Negroni est le complément idéal pour ajouter du particulier, du concret, de la chair et du sens, si vous préférez, à ces idées-là. Mais qu'on peut étayer, bien sûr, pendant la discussion. Donc, pour lui, pour Michel Touscar, il y a une véritable coupure à partir des années 70, dont 68 n'est qu'un aspect, pas parce que c'est beaucoup plus global. Il n'y a pas que les événements de 68 au cours du début des années 70. Il y a, les deux choses paraissent indépendantes l'une de l'autre, à première vue. Il y a le fameux coup Nixon en 71, n'est-ce pas, lorsque Nixon annonce en plein Tokyo, c'est très d'actualité, hein, en plein Tokyo, le découplage du dollar et de l'or. Les grands événements qui initient la période que nous vivons commencent dans les années 70, c'est une bonne coupure. Et les bonnes pensées sont celles qui font les bons découpages. Il y a des découpages plus commodes que d'autres, il y a des découpages qui permettent mieux de rendre compte de la réalité qui nous environne que d'autres. Et bien, un découpage qui fait intervenir dans ce qu'on appelle l'après-guerre, une période qui va de 45 aux années 70. Cette période, vous la connaissez, on la surnomme celle des 30 Glorieuses, en gros. Hein, elle est marquée par la domination à droite du gaullisme, à gauche du communisme. Ce qui me fait penser que Cohn-Bendit, pendant la campagne du référendum sur l'Europe, avait dit « il y en a marre du gaulo-communisme ». Phrase qui m'a un peu inquiété, parce que qu'on soit anti-gaulliste, on peut avoir d'excellentes raisons. Moi, j'ai voté contre le gaulle toute ma vie. On soit anticommuniste, il peut y avoir d'excellentes raisons. On peut être anticommuniste pour des raisons religieuses, spirituelles, morales, peu importe. Quand on est contre les deux, le premier que je pense, c'est Vichy. Hein, c'est Vichy qui était contre les deux en même temps, par exemple. Et c'est déjà plus suspect contre les deux. Bon. Je termine cette parenthèse par la déclaration du numéro 2 du MEDEF, qui est Fayette, d'ailleurs le nouveau président du MEDEF. Kessler. Denis Kessler. Denis Kessler. Voilà. Dans le challenge. Qui est un des piliers du MEDEF et ancien maoïste, bien sûr. Vous voyez, c'est déjà une confirmation de Touscar. Libéral, libertaire. Qui a dit lui aussi, il faut en finir avec les idées du CNR. Il y a trois ans, il a dit ça. Ça veut dire le Comité national de la résistance auquel nous devons la retraite par répartition, la sécurité sociale, le bagatelle, quoi. Le système social français. Les amortisseurs, comme disent les économistes. Bon.
Donc voilà, son idée essentielle, c'est qu'il y a deux périodes dans l'après-guerre sur la forme de découpage. Celle qui va, donc les 30 glorieuses de la libération et au début des années 70, et puis qui est la seconde, que lui a appelé, il est bien le seul, les 40 honteuses, dans un article qu'il avait réussi à faire paraître dans l'Humanité. On pourra revenir dans la discussion sur le rapport intermittent de Michel Pluscar et du PCF. Il a toujours été un compagnon de route, mais il n'a jamais été adhérent. Il a toujours défendu le PC contre ses adversaires, mais il n'a jamais été adhérent. Et ce qu'il appelle les 40 honteuses correspond précisément à l'accession au pouvoir à titre de dominante, bien sûr. Quand on parle d'idéologie dominante, ça ne veut pas dire exclusive. De ce qu'il appelle lui-même donc le libéralisme libertaire. Quelles sont les quelques idées forces qui se dégagent de ce syntagme? Ben, ce qui caractérise le libéralisme libertaire, je vous ai dit un aspect tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est difficile à saisir dialectiquement, parce qu'il a des aspects contradictoires. Il est répressif vis-à-vis du producteur, du créateur de valeur, et il est au contraire permissif au niveau des mœurs. Par ailleurs, et surtout, il fait une analyse ici, il est le premier depuis Marx à reprendre la plume, et c'est-à-dire à présenter un débat d'idées, non pas en fonction des idées qui s'y opposent, mais en fonction de la conjoncture historique à laquelle elles correspondent, que tous les marxistes sont d'accord sur cette idée générale, mais personne ne la met en pratique, il est bien le seul, et d'une manière aussi globale en tout cas, et donc il fait correspondre l'ancien capitalisme, je l'appelle le capitalisme de papa, si vous voulez, celui d'avant-guerre essentiellement, à des valeurs que vous connaissez bien, de l'épargne, du travail, de l'effort, hein, c'est dans tous les livres de moi, l'instruction civique de l'époque, jusqu'à la dénonciation de l'alcoolisme, etc. Arbeit macht frei. Voilà, tout à fait. Ce capitalisme-là ne peut plus tenir la route en 45. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose sur lequel on passe un petit peu vite. C'est les années 30, c'est la grande crise économique, vous voyez comme tout ça est actuel. C'est la seule qui, par sa dimension et son importance, peut servir de précédent lorsqu'on essaie d'analyser celle qui s'abat sur nous maintenant, hein, étant bien entendu qu'il y a toujours des variantes, hein, l'histoire ne se répète jamais de manière identique, sauf sur le mode de la comédie, dit Marx, de la parodie, de la bouffonnerie. Mais en l'occurrence, pourquoi il ne peut plus tenir la route? Parce que la crise des années 30 était avant tout, vous l'avez tous appris, une crise de surproduction, pour aller très vite, hein, un économiste a parlé à l'époque du spectacle stupide des foules crevant de faim devant des greniers trop pleins. Vous savez, on versait le lait dans les caniveaux à New York, le café dans les locomotives. Une crise de surproduction. Alors si on continue à avoir la morale de papa, l'épargne, il ne faut pas trop consommer, etc., ben c'est fini, le capitalisme, il est foutu, là. Il faut au contraire consommer, s'éclater. Et il faut faire un virage à 180 degrés et encourager le permissif, vous voyez ce que je veux dire au niveau des mœurs. C'est ça l'analyse de Gluskar, c'est qu'il a compris que ce n'est pas seulement un débat d'idées, c'est une mutation historique. Que si le capitalisme en était resté aux vieilles idées archaïques de travail, d'épargne et d'effort, eh ben, où le but essentiel était de conquérir le marché français, quand une société de chemin de fer, il n'y avait pas encore la SNCF à l'époque, il y avait plusieurs petites sociétés comme ça, quand une société de chemin de fer avait, je dis n'importe quoi, 35% du marché, c'était déjà énorme. Le marché national, à partir du moment où il est conquis, qu'il faut exporter, il faut une autre logique, un autre capitalisme, jouisseur transgressif, post-Nietzschéen, néo-Nietzschéen, ce que vous voulez, vous comprenez pourquoi ces valeurs-là ont vite remplacé Marx. Voilà, j'ai dit en gros l'essentiel de sa pensée. Elle est difficile à saisir, non pas parce qu'elle est plus complexe qu'une autre, c'est pas plus compliqué que la République de Platon ou que les méditations de Descartes, mais simplement parce que nous avons du mal, il y a une résistance intérieure à prendre comme une entité homogène des choses que les médias nous ont appris plutôt à opposer. C'est pas comme le libertaire 68 heures face à un pouvoir figé, sclérosé, etc. Et voilà, montrer que tout ça c'est la même complicité, c'était quand même un tour de force. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous demandez aux lycéens d'aujourd'hui, leur rêve, c'est exactement ce qui était considéré comme un cauchemar par les 68 heures, le lycée napoléonien, le lycée de papa, c'est ça qu'il fallait détruire. Maintenant, on rêve d'avoir un lycée qui fonctionne en bon état, avec de bons profs. Vous voyez, ça a bien changé. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de l'œuvre de Michel Gluskar. Je vous rappelle très rapidement ce qui ponctue cette œuvre en termes de publication. Il y a eu d'abord ce qui, à mon avis, est son œuvre maîtresse, je crois que c'est la vie de François aussi. L'Être et le Code, c'est sa thèse de doctorat qui est parue aux éditions
Mouton en 72. Et parce qu'en France, on a refusé de l'éditer, chez l'édition belge, et qui est réédité maintenant chez l'Harmattan, en deux volumes. Pardon ? Non, il y en a deux. Il y a un annexe. On a repris voilà. Un extrait. Et il y a c'est un immense. Pas survol, parce que c'est très détaillé, mais c'est une. Comment je puis dire, une saga, si je puis dire, bien sûr, dans le cadre de ce qu'il a, d'un champ d'études qui s'appelait Société française à l'époque, il étudie un processus qui va du cœur du Moyen-Âge jusqu'à pratiquement à la veille de la Révolution française, pour montrer l'évolution des mœurs, la littérature, de la sensibilité, de ce qu'il appelle lui-même la psyché, ce qui est le monde intérieur, en fonction des mutations historiques qui se font parallèlement. C'est une œuvre monumentale. Sartre, qui acceptait assez peu souvent de figurer dans des jurys de thèse, était présent et en a fait un article extrêmement élogieux, où la seule réserve qu'il avait, c'est que c'était presque tellement ambitieux comme projet qu'il y avait presque un hubris, une démesure de la part de l'auteur à le faire tout seul, que ça demanderait un travail d'équipe. Je vous le donne comme ça en scoop, mais je veux dire, je me rappelle que Michel Kouskar m'avait confié lorsqu'il avait vu ce commentaire de Sartre, je ne demande pas mieux qu'on me donne des collaborateurs, je ne demande pas mieux qu'à travailler en équipe. Mais dans l'isolement où on le tenait, c'était difficile. Je vais passer maintenant la parole à François Sur pour ce qui concerne l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, mais je tenais à rappeler ces grandes lignes de l'analyse gouskardienne sur lesquelles on reviendra au travers de vos questions après la présentation que François va faire de son livre. Voilà. Oui, donc présentation, c'est un peu difficile. Je voudrais revenir sur une chose. Sartre n'a pas fait partie du jury de thèse de Kouskar, malgré la légende. Non, il n'était pas présent. Il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas de doctorat d'État, des conditions nécessaires pour être. Il avait accepté le principe. Il avait lu le manuscrit, il avait pondu effectivement le texte dont tu parles, mais... Sa participation, c'est un entretien qu'il a eu à Montparnasse, pas chez Sartre, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, avec Kouskar. Oui, avec Kouskar, bah écoutez, bon, effectivement, bon, c'est comme l'a dit Dominique, bon, c'est... J'essaie de faire bon, une auto... hétérobiographie à partir du moment où j'ai rencontré Michel et bon, toutes les années où on s'est beaucoup vu, etc. Bon, donc c'est une enfilade à la fois d'anecdotes, bon, de situations plus, qui je l'espère, bon, donne une image peut-être surprenante pour certains, enfin, de l'intellectuel Kouskar, quoi, par rapport au personnage, disons, typique ou enfin, de l'establishment de l'époque. Non, mais par rapport... disons, à l'environnement intellectuel de l'époque. C'est-à-dire, moi, je l'ai rencontré dans les années, enfin exactement en 1976, dans des conditions particulières, puisque bon, donc, mon directeur de thèse de l'époque était Henri Lefebvre, le philosophe marxiste, m'avait demandé si je voyais un moyen d'éditer le Sérieux et le Frivole, qui était un manuscrit de Michel, donc il n'arrivait pas à publier. Et moi, à l'époque, qui ai toujours fréquenté des gens infréquentables, je fréquentais beaucoup Jean Dernalier, même je collaborais à sa maison d'édition, et donc je lui ai proposé le texte, bon, qui a fini par être édité, après quand même pas mal de résistance. Et donc, c'était le début de notre relation, et en même temps de sa relation à lui, avec des gens qui étaient effectivement tout à fait son opposé, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait rendez-vous près de l'ex-Maspero, qui était La Joie de Lire, donc qui était devenu le centre qui avait été racheté par Jean Dernalier. Et donc nous avons eu un déjeuner avec Jean-Marie Benoît, dont certains se souviennent peut-être, mais enfin, qui était le philosophe réactionnaire de l'époque, Bernard-Henri Lévy, qui n'était pas encore, mais qui allait le devenir, bon. Plus de trois autres personnes, et Michel Kouskar au milieu, quoi. Donc je raconte ça dans le livre, mieux à l'écrit qu'à l'oral, hein, mais, parce qu'effectivement c'était une rencontre un peu explosive, et donc il s'est tellement bien sorti qu'il m'a épaté, parce que, avec son côté, bon, j'ai rien à en foutre. Je fais une petite intervention là. Quand je lis les pages que François consacre à cette rencontre et puis aux anecdotes qui suivent dans le livre, je ne peux pas m'empêcher de penser au cas Rousseau. J'y reviens.
Parce que chaque fois, j'essaye de m'imaginer, bon sang, l'effet qu'a dû faire Rousseau avec son accent suisse, là, en arrivant dans les salons parisiens à une époque... Oui, j'ai oublié l'accent. Oui, à une époque où l'esprit de salon, la rapidité... D'ailleurs, Rousseau est pas prévu à dire, c'est vrai qu'il a inventé l'expression, l'esprit d'escalier, c'est lui. Moi, là, il dit, je rigole quand je suis dans l'escalier, quand, une heure après tout le monde. Et donc, j'aurais bien voulu avoir les réactions des mondains, si vous voulez, de une époque où la mondanité a atteint sans doute une perfection. Maintenant que du caricature, le mondain est devenu du bling-bling. Et en lisant l'ouvrage de François, j'ai un petit peu rattrapé cette frustration. On voit l'impression qu'a dû faire Rousseau dans les salons simples. Hein, c'est un peu le parallèle, c'est un peu l'impression que fait Michel. De toute façon, il l'assumait. Tout à fait. De toute façon, on n'aurait pas pu le changer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les idées fortes ou sur le père? Oui, vous en faites. D'abord sur les idées, Michel Kouskar est donc dans l'intimité, il a produit une œuvre conséquente d'un point de vue conceptuel. Et moi je me suis toujours interrogé sur je ne sais pas exactement quelles sont ses conditions de naissance, de vie, d'évolution sociologique, économique, etc. Ou même... au point de vue de la psyché, mais quel était son point de vue sur, j'ai pas envie d'employer des gros mots, prolétariat, mais à l'époque, il y avait les maoïstes, trotskistes et communistes qui parlaient de ce peuple de France et d'autres. Quel était son point de vue sur les gens de la vie de tous les jours, puisqu'il se démarquait manifestement du mondain et du reste. Oui, je sais pas. Un des deux. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Si vous devriez prendre moi, je vais alors, la préciser. Alors, simple, quel était son point de vue sur les personnes qu'il évoque dans ses livres, de fait, c'est-à-dire les personnes du peuple, le prolétariat, les gens de la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. D'accord. Il était en totale immanence avec eux. Je veux dire, lui, effectivement, il s'est prêté un peu à la comédie mondaine, et encore, bon, enfin, avec beaucoup de maladresse d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas tous les codes du mondain, c'était un de ses problèmes de reconnaissance dans le milieu intellectuel. Franco-parisien, bon. Donc effectivement, bon, lui, vous parlez de son origine sociale, bon, effectivement, il était d'un milieu très modeste, humble, hein. Bon, père prolétaire, mère institutrice. Donc effectivement, bon, ça renforçait ce côté atypique sociologiquement dans le milieu parisien. Et lors de cette première rencontre, vous, Enfin, j'étais déjà un peu prévenu sur lui, hein, par des amis communs. Bon, donc lui m'a pas étonné, sauf effectivement qu'il en rajoutait un peu. On parlait de l'accent gaillacois, puisqu'il était originaire de Gaillac. Bon, effectivement, un accent très fort, hein, bon, qu'il n'avait pas essayé d'éluder, contrairement à Pierre Bourdieu ou d'autres. Bourdieu originaire de régions pas très éloignées. Pas très éloignées, qui s'était donné un mal fou quand il était Henri IV pour complètement gommer son accent. Qu'il leur envoyait des origines qu'il jugeait, bon, quoi, par la suite les a revendiquées, mais enfin, il les jugeait plus ou moins de désobligeantes ou disqualifiantes. Bon, Kouskar, il s'en foutait. Ce qui me fait penser, c'est pas une obsession, mais comme il y a eu le tricentenaire Rousseau l'année dernière, je peux m'empêcher d'y revenir, que à ce parallèle, mais je maintiens, je ne dis pas que Kouskar c'est Rousseau, je dis que la position de Kouskar par rapport à l'intelligentsia franco-parisienne, pour reprendre l'expression que vient de dire François, est exactement celle de Rousseau par rapport au Salon des Lumières quand il arrive à Paris. Je suis sûr de l'analogie. Mais c'est pas une ressemblance, c'est une analogie. Ce que A est à B, voilà ce que C est à D. Mais justement, dans plusieurs passages de la Nouvelle-Héloïse et ou de l'Émile, Rousseau, et c'est assez rare, parle de l'accent. Et il analyse très bien en termes de classe, on dirait maintenant, n'est-ce pas, en termes de classe, que l'ironie à l'égard de l'accent vient d'un positionnement de classe. Oui. C'est pas la poissonnière à Marseille, je pense à Honorine chez Pagnol, hein, la vendeuse qui a la petite étale de poisson, là. Je veux dire, le grand médecin, le grand avocat marseillais peut ne pas avoir d'accent. Poissonnière, c'est impensable. Voilà, je veux dire, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Au XVIIIe siècle, certes, mais même au XIXe siècle, le problème de Rimbaud, quand il arrive à Paris, quand il récite le bateau ivre, tout le monde se tord de rire à cause de son accent des Ardennes. Son patois ardennais, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Oui.
Bon, ce n'est pas tellement une question, mais bon, c'est aussi un peu un témoignage par rapport à ça. Il se trouve que j'ai promené pas mal Kluskar dans l'arrière-pays avéronnais, etc. Et puis on discutait un petit peu entre deux. Pardon, Edmond Janssen, éditeur de. Ouais. Qui fait partie éditeur de Michel Kluskar, a pratiqué Michel dans les dernières années de sa vie et lui a donné quelques-unes de ses dernières joies avec les balades qu'il aimait tant. Ah oui, mais il adorait les balades. Et justement, au cours de ses balades, il me racontait un peu l'histoire, parce qu'en fait, il racontait un peu son enfance, etc. Et il disait effectivement, bon, a priori, Kluskar, jeune adolescent, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le sport, quoi. Hein. Et qui n'était pas un très bon élève, quoi. Donc, pas brillant, quoi. Enfin non, il n'était pas très bon élève, notamment en mathématiques, quoi. Donc il me racontait notamment qu'il avait tusté. Dans le Sud-Ouest, on dit tusté pour tricher à l'épreuve de mathématiques. Je lui ai demandé effectivement, mais alors comment ça se fait qu'est-ce qui explique vous passez de cet adolescent bon élève moyen aimant le sport à ce philosophe qui fait une anthropologie totale, quoi. et alors il m'a répondu, parce qu'en fait il parlait pas pour ne rien dire, quoi. Jamais. Et en général, et il m'a dit un jour j'ai compris ce que c'était que la lutte des classes, quoi. C'est-à-dire que effectivement c'est et pour lui c'était total, quoi. Je veux dire, la suite l'a prouvé, puisque quand lettre et le code, enfin la partie notamment le centre, la genèse du sujet est vraiment une anthropologie totale et une histoire totale finalement aussi, puisque lettre et le code c'est quelque chose qui est totalisant, quoi. Donc en fait c'est bien cette compréhension de la lutte des classes à un moment donné de sa vie qui l'a effectivement qui a fait ce penseur qu'on connaît, je pense. Alors comment, pourquoi, j'en sais rien. Oui. Mais effectivement là il y a une vraie énigme, parce que enfin tu connais ça mieux que moi, mais effectivement pas très bon élève malgré une mère institutrice qui était derrière, bon. Et effectivement, longtemps, bon, dans un processus autodidactique, hein, par rapport à la philosophie. Il a rajouté même, il dit, moi j'ai commencé comme autodidacte dans la nausée, par les romanciers à la lettre A, c'est et non à voilà, bout. Voilà. J'ai une question, parce que je ne connais pas du tout l'auteur. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça représente, le code, lettre? Alors, et le code. Vous me l'enlevez la bouche, j'allais intervenir là-dessus à la suite de... Je vois pas du de ce que vient de dire très, très, très pertinemment Edmond Janssen. J'en profite pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Michel Kluskar, que vous avez, outre cet ouvrage qui vient de paraître sur l'homme et sur sa vie, un excellent ouvrage sur sa pensée, un petit ouvrage de synthèse, pardon, de te faire rougir, d'Emeric Monville, ici présent, qui lui a consacré un ouvrage qui dit vraiment l'essentiel en très peu de pages, je crois que ça fait 80 pages. Non, c'est tout de force 50 pages. Voilà, voilà. Au taquet. Voilà. Donc, qui est disponible ici. Bon, je réponds à votre question. C'est une très très bonne question. Et qui me fait rebondir sur la notion de classe que Edmond Janssen vient d'introduire, à l'opposé du sectarisme. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a des riches et des pauvres, c'est pas ça les classes sociales. Ceux qui, si on a des cheveux blancs comme moi, se rappellent peut-être de l'époque où le fils de Paul Getty avait été kidnappé. Paul Getty, le mania du pétrole à l'époque, vous savez. Et parce qu'il vivait à Paris, dans un appartement en bohème, un peu fauché. Ben oui, il est fauché, mais il fait partie de la classe hyper dominante, le fils de Paul Getty. Vous voyez, c'est pas une question seulement de revenus. Et inversement, quelqu'un peut gagner demain au loto, avoir beaucoup d'argent, mais bon, on va rigoler de ses habitudes, de la manière de s'habiller, on va dire nouveau riche tout de suite. Les classes sont là. C'est pas seulement une question de revenus instantanés, en tout cas. Première chose. Mais surtout, dans l'être et le code, pour répondre précisément à votre question, les classes sociales sont dans le mot code. C'est-à-dire sans nous en apercevoir, de même que je vous parle en ce moment et j'utilise un code grâce auquel vous me comprenez, qui est la langue française, et je ne suis pas du tout conscient, ni vous, de tout ce que je fais comme métaphore, etc. Et ça se fait, les linguistes sont très bien montrés à notre insu. Nous pensons selon la manière dont nous parlons, à peu près, nous nous entendons donc. Les luttes de classe, c'est la même la lutte de classe plutôt, faut en parler au singulier, c'est la même chose, hein, pour la simplifier énormément, mais sans aller vers le simplisme. Il y a deux classes sociales tout au long de l'histoire, et là-dessus Kluskar est un des premiers à reprendre Marx. Il y en a 10 000, hein, si vous voulez, hein, un peu raffiné. On peut parler du
du capitalisme mercantile sud-américain. Mais d'une manière générale, pour pas que les arbres cachent la forêt, il y en a toujours deux. La classe qui produit plus qu'elle ne consomme, et la classe qui consomme plus qu'elle ne produit. Cette définition a l'avantage de se prêter à la mesure. Vous savez, quand Hegel vous voyez quelqu'un qui ne comprenait pas ce que veut dire le négatif ou la négativité, il disait, vous savez, c'est très concret, mettez devant quelqu'un tout ce qu'il a consommé, ne serait-ce qu'au niveau nutritif en une vie, devant lui. Et le nombre de vaches, le nombre de steaks qu'on a mangé, de vaches, le nombre de litres de lait, etc. Pour une personne. Là, on voit le concret de ce que veut dire le négatif, n'est-ce pas? Eh bien, les luttes de classe, je fais allusion à cette analogie avec la langue tout à l'heure, je vais dire, Bouscard allait jusqu'à dire, et ça répond à votre question, le code précède l'être. On pourrait penser que, non, quand même, il y a d'abord la nature, le réel, l'être, quoi, ce qui est, puis après, les hommes codifient. Non, je veux dire, c'est tellement dans notre inconscient qu'en nous, le code, c'est-à-dire la relation sociale de servitude et de domination, pour parler comme Hegel, puisque c'est la matrice que Marx reprendra et qui aboutit à Bouscard, mais le rapport servitude et domination, je veux dire, il précède notre rapport au monde extérieur. Nous le suçons au berceau, si je puis dire. Nous le suçons dans le biberon, pour parler métaphoriquement. Et pour en donner une démonstration très rapide, si j'ai un bouquet de fleurs artificielles chez moi et que quelqu'un prend le besoin de dire « Ah, elles sont ressemblantes », j'ai cru que c'était des fleurs naturelles. Si la distinction existe entre fleurs naturelles et fleurs artificielles, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des fleurs artificielles. On n'éprouverait pas le besoin de préciser que celles-là sont naturelles. Si on éprouve le besoin de dire naturel, c'est qu'on a déjà dépassé la nature. C'est là qu'on voit que le code précède l'être. Autrement dit, on ne parle de nature que depuis l'homme. Il a fallu qu'un être s'oppose à la nature pour qu'on puisse parler de la nature. Oui, je dis ça parce que les gens confondent souvent, pardon, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est quand même accessible à tout le monde. Les gens, la plupart du temps, la médiatisation de la pensée est ainsi faite qu'on a tendance à nous faire confondre nature et matière. Or, si vous prenez un pot, je reprends mon exemple, de fleurs naturelles, vous le jetez par le sixième étage et vous jetez un bouquet de fleurs en plastique du même étage, les deux vont tomber avec la même loi de la chute des corps de Newton. Ce ne sont pas des lois de la nature, les fleurs artificielles, ce n'est pas naturel. Ce sont des lois de la matière. Cette matière peut être soit naturelle, c'est-à-dire celle qui ne doit rien à l'intervention humaine, soit humaine lorsqu'il y a, bien sûr, ce que Bouscard appelle une praxis à la suite de Marx, c'est-à-dire une appropriation réelle par le travail, bien sûr, à la production de la nature. Voilà, j'espère que j'ai répondu en partie à votre question, mais elle est très intéressante. Parce que le code, c'est ma relation à l'autre, et une relation qui n'est pas codée, qui n'est pas contractuelle au départ, qui n'est pas de l'ordre, qui n'est ni de l'ordre naturel, bien sûr, ni de l'ordre du contrat au sens, comme on aurait signé une convention claire. Non, regardez comment vous avez appris à parler, moi aussi, et tout le monde. On n'a jamais appris à parler en demandant à nos parents, et ça veut dire quoi? Ben ça, c'est un substantif de la classe des noms, on s'est jeté à l'eau. Ben, c'est un petit peu comme ça, n'est-ce pas, quand on découvre la lutte de classe à partir de notre positionnement, la division de la société en classes, puisque c'est ça qui codifie, n'est-ce pas, nos relations entre sujets, intersubjectives, la division en classes, elle remonte à la nuit des temps, puisque Marx dit que la première division sociale, c'est l'homme et la femme, dans le manuscrit de 44. Dès l'instant qu'il fallait faire une partie de chasse, surtout le gros gibier de l'époque, vous savez, la femme qui était enceinte de 8 mois, elle n'allait pas suivre les hommes avec un épieu, courser le mammouth. Donc, je veux dire, il y a une division déjà. Et comme c'est la division sociale du travail, dès qu'une société se complexifie tant soit peu, hein, mais dès le néolithique, elle se complexifie, c'est la division sociale du travail qui, en pure orthodoxie marxiste, produit les classes sociales. Hein, faut pas oublier. Donc, c'est dans notre code, non pas génétique, mais c'est dans le code, non pas de notre hérédité, mais dans le code de notre héritage, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le premier est naturel, le second est culturel et historique. La lutte de classe fait partie de notre code héritage, voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas pour la perpétuer que la pensée de Marx et a fortiori celle de Bouscard est intervenue, parce que tout de même, le but, c'est une société sans classe. Voilà. Pour resituer historiquement et pour répondre peut-être plus complètement à la dame, c'est peut-être utile de rappeler au moment où il écrit l'être et le code, quelle est
la tendance dominante dans ce qu'on appellera à partir de ce moment. Oui, c'est très juste, humaine, pardon. Il y a des courants très dominants, ce serait peut-être bien de rappeler à quoi il va être en rupture avec ça. C'est une approche historique qui est précieuse ici. Effectivement, à l'époque où Michel publie à la fin des années 60, au début des années 70, on est en plein apogée de ce qu'on a appelé alors, à tort ou à raison, peu importe, la vague structuraliste, si vous vous rappelez bien, qui mettait la linguistique au cœur des sciences humaines. La linguistique structurale, donc les effets de code, tout simplement. Codage, c'est pour bien expliquer pourquoi il choisit justement ce thème et ces termes. J'avais une collègue étudiante en philo qui est partie à Copenhague dans un laboratoire de recherche linguistique pour des travaux d'analogie entre la transmission du code génétique et la transmission de la parole linguistique. Vous voyez, c'était vraiment à la mode à l'époque. Donc il y avait une certaine ironie de la part de Michel de faire figurer le code dans le titre. Mais au sens, il ne faut pas oublier sa proposition fondamentale si on veut comprendre ce titre et a fortiori l'ouvrage qui suit, et dont François, dans son livre, dit très justement que tous les ouvrages de Gluskar après n'ont fait que décliner la riche matière, la matière profuse qui est dans l'être et le code. Il faut faire suivre l'être et le code de cet énoncé que je tiens de Gluskar, qu'il a répété souvent d'ailleurs, chacun de ceux qui l'ont pratiqué. Le code précède l'être. La relation entre sujet chez l'homme précède la relation à l'objet. Voilà. Je vous donnerai un dernier exemple. Je te donne la parole. Bonjour Catherine. Je te donne la parole tout de suite après. Prenez un prolétaire de l'époque de Zola. Je fais exprès pour avoir un salaire vraiment qui donnait à l'époque à peine de quoi survivre au sens biologique du terme. Lorsqu'il touchait, le jour où il touchait ce salaire, qu'est-ce qu'il fait l'ouvrier de Zola? S'il était un être de nature, comme vous nous faire croire que ce qui est déterminant chez l'homme, c'est ses gènes, les déterminations naturelles, tout ce qui est animal, c'est très à la mode tout ça. Hein, regardez l'éthologie, maintenant il faut regarder les jalousies entre mâles dominants, marquage de territoire pour comprendre l'homme. Enfin, passons. Mais si c'était le cas, l'ouvrier devrait immédiatement se précipiter chez l'épicier du coin pour lui acheter la quantité de lipides, de glucides et de protides absolument nécessaires à la reproduction quotidienne de sa force de travail. Est-ce que c'est ce qu'il fait d'après Zola, qui est un bon observateur du réel? Pas du tout. Où il va? À la saumoire. Boire les pots avec les potes. Eh bien oui, c'est une grande leçon d'anthropologie qu'il nous donne. Ça veut dire que nous ne nous en apercevons pas de l'exemple que je suis en train de donner, du problème qu'il pose. Parce que, heureusement pour nous, nous avons toujours à la fois le nécessaire et le superflu. Hein. Nous devons manger pour vivre, ça c'est nécessaire. Et puis nous mangeons vietnamien ce soir, ou un petit couscous. Enfin, ça c'est superflu, c'est la culture, c'est très bien. Mais lorsque, un hasard, disons, une contingence de la biographie fait que je suis condamné malheureusement à choisir, comme c'est arrivé, une condition dramatique, entre le nécessaire et le superflu, ce qui est extraordinaire chez l'ouvrier de Zola, c'est qu'il va choisir le superflu. Il nous donne une leçon d'humanité. Il nous montre que le code chez l'homme est plus important que l'être. Voilà. Mm-hmm. Merci pour votre question qui m'a obligé d'être un peu long. Non, mais très intéressant. Oui, Catherine, pardon. À propos de ce que vous avez là, pour situer dans le temps, moi, ça, ce que tu disais me rappelait qu'il y a eu quand même une campagne idéologique Maus pour opposer l'individuel et le collectif. Oui, bien sûr. Et ça faisait quand même partie des années 68, 70, etc. C'était une bataille idéologique importante. Et puis, alors par contre, j'ai une autre petite question à propos de la première division de classe, c'est l'homme et la femme. T'as un manuscrit de 44. Je pense que ça nécessiterait d'être un peu développé parce que. Là, c'est Marx, c'est plus Gluskar. Oui, mais c'est plus. Parce que je pense que la division du travail, oui, mais les rapports d'exploitation entre classes, je pense qu'il ne faut pas les situer entre l'homme et la femme. Quoi. Non, c'est pas du tout ce que dit Marx. C'est ni ce que dit Marx, ni ce que dit Gluskar. C'est pas du tout ce que dit Marx, c'est la division du travail qui produit la division en classe sociale. Dans le manuscrit, je pense qu'il parle plus de complémentarité que de. Oui, tout à fait. Non, c'est pas du tout dans le cadre du féminisme contemporain, c'est le contraire. Autre question sur Gluskar cette fois-ci. Je veux signaler que vient d'arriver Isabelle Chazot, qui a grandement contribué à la renommée de Gluskar dans un journal inattendu qui s'appelait 20 ans, mais qui à l'époque était à peu près le seul à parler de l'œuvre de Michel. Voilà, bon, elle pourra se manifester peut-être tout à l'heure. Je vais signaler parce qu'à l'époque, pardon Isabelle de te faire rougir, Isabelle était rédactrice en chef de 20 ans et elle avait le souci d'instiller dans son lectorat, qui je crois, si je m'appelle bien, c'était des jeunes filles de 16 ans en moyenne, non?
à l'époque. C'était plus âgé, je pense. D'accord. D'instiller un petit peu quelquefois autre chose que des problèmes de cosmétique ou de commandes réguées. Et je ne rendis pas 20 ans à ça. C'est une revue aussi des années 70. Je sais rien jusqu'à quelle année, 20 ans. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça, c'était les années 90. D'accord. 90, ah oui. Ça avait commencé bien avant, mais ça a duré jusqu'aux années 90. Je vous l'ai dit une fois, Isabelle nous a demandé, François et à moi, de consacrer même un article, comment, parce qu'il y avait la parution justement, la édition de Blue Scar par Saga, de consacrer un article dans 20 ans à la pensée de Marx. Vous voyez que ce que ne faisait pas Libération, ben 20 ans et le faisait. Avec Alain Soral, il faut le signaler. Et avec Alain Soral, tout à fait, qui à l'époque était membre du PC, et n'avait pas encore fait les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut discuter. Oui, François a évoqué la scène primitive de rencontre avec Kouskar. En fait, il faut repasser dans toute sa symbolique, en fait, pour comprendre. C'est pas simplement que Kouskar se retrouve par hasard avec BHL et tout ça. C'est que dans les années 70, dans les marxistes, il y avait deux camps. Il y avait grosso modo le PC et les gauchistes. Et les gauchistes, fin des années 70, commencent à aller prendre le train du Mitterrandisme en pleine marche. Et justement, la rencontre est totalement symbolique parce que Negroni, justement, sort de ce train au même moment parce qu'il rencontre Kouskar. Alors Kouskar n'était pas encore édité par Résistance sociale, sans doute parce que trop communiste, mais bon, ça fait partie des drames de beaucoup de communistes qui sont certainement souvent plus communistes que les titulaires actuels du nom. Mais bon, voilà, voilà ce qui se passe exactement, c'est que Kouskar, fort de toutes ses recherches qui s'appellent Lettres et le Code, commence à faire des textes de combat. Alors c'est Néofascisme et idéologie du désir au début des années 70. Ça va culminer vers Le capitalisme de la séduction qui sera publié aux éditions sociales et qui passe par un livre qui s'appelle Le frivole et le sérieux, qui sont en fait, on pourrait presque le dire, des manuscrits préparatoires, et qui vont, ironie du sort, être publiés par Jean Dernalier, qui était à l'affût à l'époque d'auteurs marxistes. Là, ironie, enfin, à l'affût d'auteurs marxistes, pas tant que ça, mais... Ouais. Plutôt... Bah, il est... ouais, il l'a édité un peu contre son gré. Hein. Son gré, bon. Enfin, en tout cas, tu as réussi à le faire. C'est étonné. Hein. Mais bon, y compris pour le capitalisme des éditions, je pense que tu n'es pas non plus pour rien dans le succès. Ah, bah, c'est édition sociale. Hein, bon. Ouais. Mais... Y compris le passage à Apostrophe, je ne sais pas. Oui, non. Il était passé à Apostrophe. Oui. Le plus étonnant, c'est un document culte que vous trouvez sur YouTube. Le plus étonnant, c'est Néofascisme, idéologie du désir, qui est publié chez De Noël. Ça m'a toujours étonné. Oui, moi aussi. Parce que, bon, parce qu'à la limite, bon, frivole et sérieux, il avait un piston, moi, la personne. Mais à l'époque, une édition, disons, bourgeoise comme De Noël, pourquoi est-ce que tu lis un texte pareil, alors tellement à l'encontre de l'idéologie de l'époque, de l'Eusienne, Foucaldienne, etc. Mais là, il y a des indices quand même dans le vécu sociologique que tu relates. On ne va pas faire la liste des gens qu'il va croiser et qui sont évoqués parfois fugacement dans ton livre, mais tous, il va quand même les impressionner. Et donc, peut-être que parfois, ça peut aller jusqu'à ce paradoxe que tu viens d'évoquer. Après, ça remonte à quelques années auparavant, où il n'était absolument pas introduit dans le mondain. Il l'a jamais vraiment été, d'ailleurs, à part par toi. Oui, merci pour me... Tu l'as sorti du monde, en fait. Je l'ai fait entrer, il m'en a sorti. J'aurais une petite intervention. Ouais, en fait, bon, il y aurait des tas de choses que j'aurais envie de dire, je vais me concentrer sur des choses essentielles. Une petite intervention pour souligner, pour les gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Kouskar, le caractère émancipateur de la lecture que ça peut procurer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert Kouskar, ça m'a fait... cathartique. On peut le dire sous un sens cathartique. Mais là où je vais, et c'est aussi, ça va se finir en forme de question, c'est-à-dire que... Je n'ai pas la réponse à cette question, je la pose vraiment. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension émancipatrice, elle est solidaire aussi d'une difficulté de la reconnaissance, a fortiori de la reconnaissance mondaine. Parce que dans Kouskar, il ne faut pas s'imaginer un auteur qui rentre en concurrence avec les maîtres penseurs, les mandarins, la Foucault, Deleuze, et je ne sais pas qui, Roussart. C'est-à-dire que quand on lit le texte, on voit qu'on n'est pas sur le même plan. On n'est pas dans la lutte pour avoir le magistère mondain. Ce n'est pas du tout sur ce plan-là qu'on se place. On est vraiment sur une lutte pour l'émancipation la plus vaste possible.
qu'on peut appeler, même aujourd'hui, l'émancipation du prolétariat. Mais bon, c'est vrai que ça demanderait de s'expliquer sur les termes, c'est pas le sujet de la remarque. Donc il me semble que c'est important de souligner ça, et il me semble que finalement le projet d'écriture de Kluskar, malgré lui, rentre en contradiction avec le désir de reconnaissance qu'il pouvait avoir sur le plan de l'intelligentsia, parce que ça, c'est possible, ça. Il y a une sorte d'impossibilité, il me semble. Impossibilité. Mais je la mets en relief, non pas pour parler de l'anecdote qui concerne un homme, etc., mais vraiment pour mettre en relief et pour encourager à lire son œuvre, qui n'est pas une œuvre qui vise à, légitimer un totem au lieu d'autres. Je veux dire, on n'est pas à cet endroit-là, quoi. L'enjeu, un des enjeux capitaux, à mon avis, dans l'œuvre de Kluskar, c'est un combat sur la science. Qu'est-ce que la science ? Et lui, la manière dont il la met en œuvre, c'est par une production de concepts. Je veux dire, il n'y a que lui qui a exprimé ces concepts comme ça. Alors, bon, on a parlé de libéral-libertaire, mais moi, bon, là, comme ça, il y a un concept tout à fait fondamental, c'est celui d'inconscient de la conscience. Et quand on a compris de quoi il parle, c'est pas seulement qu'on a compris sur le plan intellectuel quelque chose, mais c'est que, j'ai envie de dire que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les sciences humaines où elles nous concernent directement dans notre vie quotidienne. Pour l'inconscient inconscient, pour comprendre de quoi ce que ça veut dire, comme tu dis, je le dis pour ceux qui sont moins familiers avec ce fondamental de Kluskar, effectivement, qu'il a initié. En général, l'inconscient, on pense plutôt à la psychanalyse, à Freud, plutôt qu'au lieu de classe, au marxisme, etc. Avec l'inconscient. Or, ce que dit Kluskar, c'est que l'inconscient freudien, que nous avons tous, personnel, psychologique, si je puis dire, il y a aussi le collectif. Au champ psy, cet inconscient-là est lui-même travaillé en profondeur par un inconscient historique dont nous sommes encore moins conscients que l'inconscient sexuel, et croyez-moi, c'est pas peu dire. Donc je reviens au non-dit tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'inconscient collectif au sens des adversaires de Freud. Non, on est loin. Non. Parce que là, on sort complètement de la rationalité, et Kluskar, c'est un rationaliste. Il y a une censure contre la reconnaissance, justement, de cet inconscient de classe. Je veux dire, quand Marx dit, dans le texte où il y a le plus de marxisme dans le moins de lignes, pour ceux qui veulent s'épargner, mais pas que ça ferme la vie, lire des livres, après tout, n'est-ce pas, monsieur le libraire. Toutes les pages du Capital, il y a quand même cette fameuse préface à la contribution à la critique des économies politiques faite un an avant l'apparition du Capital, donc c'est du Marx définitif, en son œuvre, entre guillemets. Et Marx dit, c'est la première phrase de ce passage célèbre, c'est assez rare qu'il résume toute sa pensée en quelques lignes, dans la production sociale de leur existence, dans la production sociale, si tout seul à titre individuel, je mets sur un arbre un cœur avec marqué Dominique M. Josette, je veux dire, j'ai travaillé, mais ça n'a aucune valeur, parce que ce n'est pas une production sociale, ça n'intéresse que moi, et je peux l'échanger contre rien. Dans la production sociale, il faut le dire attentivement, de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. La notion d'inconscient, elle est là, en 1859. Voilà ce que... Voilà, je te rends la parole, excuse-moi. Dès Leibniz, les petites perceptions. Oui, exactement. Souvent, on a fait le rapprochement entre les petites perceptions de Leibniz et l'inconscient, tout à fait. Voilà, hein, pour montrer le nombre de concepts fondamentaux qu'apporte, je te rends la parole. Hein, bon, alors je conclue très rapidement. Non, mais c'était simplement pour... c'était une forme d'encouragement par rapport à ce livre, en espérant qu'il soit une porte d'entrée vers quelque chose qui est donc une œuvre philosophique. Oui. Enfin, je reviens sur ce que tu as dit au départ, c'est que, en fait, Michel avait un grand désir de reconnaissance mondaine. Bien sûr, énorme. Il faut voir sa préface au Capitalisme de la séduction, son adresse à l'honnête homme, l'encourageant à le reconnaître. Et ça, pathétique, même. Oui, il y avait quelque chose effectivement de pathétique. Et ça s'expliquerait comment, pourquoi ? Mais pourquoi n'aurait-il pas ce désir de reconnaissance ? D'après Hegel, c'est même le premier moteur de l'esprit humain. Je veux dire en tant qu'auteur. Parce que ce désir est public. N'importe. À l'époque, c'est très très difficile. Beaucoup plus large. Ce que dit Émeric, c'est vrai. Bon, à l'époque, c'est plus difficile d'être publié que maintenant. Donc c'était déjà passé un grand examen que d'être publié. Mais enfin, quand il fait sa préface au Capitalisme de la séduction, toi, son adresse à l'honnête homme, c'est-à-dire à Jean Daniel, en gros, quoi. Il reconnaissez-moi comme grand penseur progressiste. Bon, quelque chose, effectivement, comme tu dis, un peu pathétique. Et moi, je le retenais, on le retenait tous, parce qu'il était prêt, effectivement, je le raconte un moment, à écrire à tous les grands critiques de la place parisienne, les Poirot, Delpech et tout, en disant, bon,
j'ai écrit une œuvre importante, reconnaissez-le. Enfin bon, il y avait quelque chose effectivement chez lui, comme Rousseau d'ailleurs. Hein, bon. Je vous donne la parole tout de suite, dans la foulée de ce que dit François, et ça rebondit sur l'intervention de Samuel. Bien sûr qu'il avait un désir de reconnaissance, mais la grandeur de Gluskar fait qu'il n'a jamais satisfait ce désir de reconnaissance à bon marché. Il n'a pas sauté, parce que tout à l'heure il disait « vous ne trouverez pas là des postures mondaines », tu disais, comme il y a chez d'autres écrivains, etc. Il aurait pu obtenir une reconnaissance en étant féministe, écologiste, dans les années 70, il n'y avait que ça, je veux dire, libertaire, transgressif, bref, prendre du champagne dans les salons, quoi. Et c'est toujours farouchement opposé. Et là encore, je pense à Rousseau. Chez Rousseau, il y a un besoin de reconnaissance hyper pathétique. Vous lisez l'introduction de la préface aux confessions, dedans. C'est pas un protocole de pathos, hein, je veux dire, au grand sens du terme. Il a besoin qu'on le reconnaisse lui, mais lui. Lui, et non pas le personnage qui se serait fait si par malheur Rousseau n'avait pas été réutilisé dans les salons. Si on l'avait accepté, on n'aurait pas eu Rousseau. On aurait eu un intello mondain de plus. Qu'est-ce qui... Une question un peu triviale, mais oui. Il avait levé la main avant. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il pensait de la reconnaissance de ses idées par une partie de l'extrême droite? Il n'a jamais pensé que c'est l'extrême droite reconnaissait ses idées. J'ai dit tout à l'heure que Sartre avait fait un énorme éloge de l'être et le code. On ne va pas traiter de Sartre ou de quelqu'un d'extrême droite. Donc, chacun fait ce qu'il veut avec la pensée de Gluskar. On peut pas. Trotsky se proclamait léniniste, je peux pas, Trotsky, pardon, se poser comme léniniste, je ne peux pas l'empêcher, je ne peux pas lui planter, c'est pourquoi pas, je veux dire, donc, s'empare qui veut, si vous voulez. J'ajoute qu'il n'était pas mécontent que sa pensée s'exprime par tous les courants possibles. Tout à fait, et puis il savait très bien, il est très bien l'extrême droite politique, l'extrême droite sociologique, c'est très d'actualité d'ailleurs, vous savez qu'on fait des sondages actuellement, il y a des électorats volatiles où il y a des pauvres verts, quand je les respecte, mais je veux dire, les pauvres politiquement, quoi, qui passent, qui votent municipal un peu pour aller de la Guillier au Front National 6 mois après, puis pour le UMP, puis pour le PS, vous savez, c'est volatile, hein, je veux dire, il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, dans les millions et les millions et les millions de gens, ça en fait des dizaines de millions qui ont voté Hitler, c'était pas tous les SS, hein. Vous voyez ce que je veux dire, on peut tromper les gens, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, comme disait Diderot, on peut tromper tout le monde un certain temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la critique libérale-libertaire, on entend ça de l'extrême droite. Oui, mais je vous réponds très précisément. Quand on a une pensée binaire, comme c'est souvent le cas dans l'extrême droite, pas seulement, mais comme c'est souvent le cas, on tombe sur Gluskar. Tiens, il tape sur les gauchistes, donc il est avec nous. Ça, c'est une pensée binaire, je ne peux pas les empêcher. Et Lénine tapait déjà sur les gauchistes. C'est primaire. Il avait oublié que le premier qui a tapé sur les gauchistes, c'est une maladie infantile du communisme de point le gauchisme signé Lénine. D'accord ? Et qui est, comme par hasard, tout le contraire de Staline à ce niveau-là. Puisque je parlais de Trotsky tout à l'heure, ce n'est pas des vieux règlements de compte, c'est des symboles profonds. Lénine était déjà en désaccord avec Trotsky, bien avant les accords avec Staline, Lénine. Trotsky posait des problèmes à Lénine. Et par exemple, sur un point précis, Trotsky ne voulait pas signer le traité de la paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne. Lénine, avec de longues discussions, l'a persuadé que c'était fondé de signer ce traité. Le plus urgent, c'était la paix pour le prolétariat russe, soviétique déjà. Et il a chargé Trotsky d'aller signer lui-même le traité. L'historienne ne me démentira pas. Signer le traité, c'est pas tout à fait les méthodes de Staline. Avec Staline, il aurait été fusillé, mais voilà, le point. Il ne faut pas oublier non plus que certains milieux d'extrême droite, ou qui sont aujourd'hui marqués à l'extrême droite, qui revendiquent Gluskar, étaient... à l'époque où il fréquentait Gluskar, au PC. Hein, il ne faut pas imputer à Gluskar les dérives des personnes qu'il a influencées et qui ont tourné complètement le dos. Alors, les gens que je mettais au PC, Eric Zemmour, bon, qui aime bien citer Gluskar, mais parlons de Michel aussi. Je veux dire, mais parlons de Zemmour, et Gluskar était toujours vivant, et je ne sais plus quelle émission populaire, genre Laurent Ruquier, où Zemmour a cité Gluskar. Je lui avais téléphoné en disant, tiens, t'es enchanté. Mes idées progressent. Ah ouais, je passe à la télé. Oui. Voilà. je voulais expliquer, c'est que c'est une pensée binaire. Un gars comme Zemmour, il va dire, bon, il tape sur les gauchistes, donc il est de mon côté. Bon, Friot passe. Le malentendu sur cette récupération, enfin, le fait que Gluskar ait pu plaire à certains, ou peut plaire à certains milieux d'extrême droite, c'est fondé sur un malentendu. C'est que
la critique de la France défigurée par le plan Marshall que fait Kluskar, c'est par rapport à ce qu'il a demandé. La France d'avant, disons, parce que pour lui, c'est pas simplement la terre qui ne ment pas, c'est pas travailler faire une patrie, c'est la France républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça qu'on oublie complètement, justement, par rapport à ce côté binaire, c'est que, justement, c'est ça la différence entre Kluskar et Charmera. C'est pas la critique du plan Marshall pour revenir à cette France à papalard, c'est pour retrouver le sens même de toute l'épopée républicaine qui n'en finit toujours pas. Et ça, je crois que. Bon, finalement, ce qui vraiment sépare complètement, y compris dans notre pays, il faut revenir quand même aux fondamentaux, c'est la révolution ou l'ancien régime. Et ça je veux dire, Kluskar, ça reste un républicain jusqu'au bout. Et ce qui montre bien, c'est que l'impérialisme, le concept léniniste, avec Kluskar, on va vers un stade qui va jusqu'à une colonisation des âmes, non plus simplement des pays extérieurs, comme ça continue aujourd'hui, hein, parce que... Il y a aussi quelque chose qui m'énerve, par contre, quand on fait de l'antifascisme. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas simplement quelques skinheads. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un pays comme le nôtre qui continue à faire des ratonnades au niveau mondial? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Hollande aussi. C'est quoi l'expédition au Mali? C'est quoi la Syrie? C'est quoi la Libye? Voilà, j'en ai un petit peu marre que quand on parle de l'extrême droite, il suffit d'avoir deux trois avinés, comme il y en avait bien sûr dans les brasseries à Munich, je sais bien, mais ça suffit pas pour faire le fascisme. Voilà. Il avait posé la question de la parole de suite. C'est juste pour finir la réponse d'Emeric, parce que j'allais anticiper là-dessus. Pardon. Alors, bon sang, j'ai perdu mon fil. Je vous donne la parole. Excuse-moi. Alors, c'est pas pour couper le débat sur l'extrême droite, mais simplement, je voulais vous demander une parenthèse, parce que j'ai oublié après. Qui, s'il n'était pas mondain, même s'il en avait peut-être le besoin comme tout le monde, ou le désir, qui le suit à l'époque et pourquoi on le suit pas? Voilà. Et on peut transfigurer la question à aujourd'hui avec l'extrême droite, par exemple. On va dire les soraliens, parce que c'est l'extrême droite, on n'a rien à fiche de Kluskar, c'est Soral qui l'a fait découvrir à Zemmour, d'ailleurs. Donc qui le suit? Qui le suit? Moi? Lui? Non, je ne sais pas. Que Soral, à droite, il y a aussi le magazine Causeur, et même des gens de la droite traditionnelle. Hein. Il est vraiment partout. Hein. Mais c'est le propre des... c'est comme quand Gramsci est récupéré par le Grèce. Alain Benoît, etc. Il n'empêche qu'on sait très bien comment Gramsci et par qui il a été tué, et dans quelles conditions, quelle était sa vie. Mais c'est lui qui popularise, je s'entends. Voilà, c'est la notion d'hégémonie chez Gramsci, c'est incontournable si on veut essayer de comprendre quoi que ce soit, notamment en Occident, hein, parce que c'est la différence avec le combat de lumière, le combat idéologique, c'est absolument incontournable pour n'importe quelle partie. Et des choses, si on passe pas par l'analyse kluskardienne, on comprend rien aux 40 dernières années en France, depuis 68. Ouais, tu peux retrouver mon film perdu. C'est pour ça qu'il faut mon film perdu. C'est pour ça que c'est un classique. Voilà. Il est extraordinaire qu'on puisse soupçonner de la moindre compromission fut-elle, vous voyez, capillaire avec l'extrême droite, à un penseur qui prend date et qui, dès 1976, dès le milieu des années 70, publie Néofascisme et idéologie du désir. C'est même le seul qui a mis en garde notre société contre un danger de refascisation, mais qui ne vient pas de la vieille extrême droite, Poujadot, en gros. Hein, que quand vous écoutez Radio Pologne, Radio Maria, excusez-moi, je ne sais pas si vous intéressez, Radio Maria, avec une des radios catholiques les plus écoutées en Pologne, qui est antisémite, anti-russe, enfin tout ce que vous voulez, on se croirait revenu au pire des années 30, quand vous écoutez Radio Maria, vous avez l'impression que Le Pen est un radical de gauche à côté. Je sais qui est Le Pen. Je peux proposer juste une intervention. Oui, bien sûr, peut-être une réponse générale à toutes ces questions. C'est que ce qui se passe actuellement avec la pensée de Kluskar, c'est qu'elle s'impose comme une pensée de la vérité. De la crise, hein. C'est une heuristique qui nous permet, et y compris à des gens de droite, ils doivent reconnaître la part de vérité, et qui rejoignent parfois leur critique sociale de certains milieux. Mais l'espèce d'universalisme des idées de Kluskar, qui sont claires aujourd'hui dans la période de crise que nous vivons, est évidente pour tout le monde, y compris pour certains milieux et certains intellectuels tels que ceux qu'on a évoqués, certains qui l'ont fréquenté jadis quand eux-mêmes étaient se posaient comme étant marxistes, communistes, etc. et ont bien changé depuis, ou d'autres qui ne l'ont absolument pas connu, comme Zemmour, etc. Je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un moment vraiment kluskardien, au sens où tout ce qui pouvait introduire un rideau de fumée, une confusion généralisée et fortement alimentée par tous les mondains et tous les intellectuels d'époque qu'on a évoqués, dont certains sont encore très actifs, est en train de s'effondrer. Et alors qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement des choses comme tout est permis mais rien n'est possible, et là on commence à le mesurer. Et c'est à mon avis ce qui explique
la reprise des idées de Kluskar, c'est leur profonde validité scientifique, comme disait Samuel tout à l'heure. Pourquoi sont-elles tues, donc, à l'époque, ces idées-là? Ah. Elles sont inaudibles, mais voilà. Moi ce qui m'intéresse, vous parlez d'extrême droite, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est le Camille Scheer, donc quelqu'un qui s'inspire complètement de tout le travail conceptuel de Kluskar. Et qui le cite, au moins il a ce mérite. Il le cite moi-même. Non, et qui est maintenant effectivement devenu le penseur de référence à peu près de tout l'establishment. N'exagérons rien quand même. La notion libérale, il faut savoir que c'est Kluskar. Jean-Claude Michel. C'est Kluskar, moi, le mouvement ouvrier. Il vient du Parti communiste des années 70, Michel, donc il a été formé parce qu'il y a des choses qui sont communes aussi. Maintenant, comme c'est Kluskar qui a émergé, qu'on peut dire que c'était vraiment le dernier, last but not least, j'espère, penseur communiste, en tout cas. Ah, et on en a aujourd'hui, que tu connais bien. Non, franchement, objectivement. Là, on a Bernard Friot, par exemple. Ok, comme économiste, d'accord. Ah bah, ça va au-delà de la simple économie. Bon, bref. Bon, enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, Michel a été formé par ce collectif intellectuel-là. Donc, c'est évident. Par exemple, la distinction entre main de consommation et bien d'équipement, c'est quelque chose qui tournait dans le PC à l'époque. Donc, il prend ce qu'il y avait, cet intellectuel collectif-là, et puis simplement, il en revient à dire c'était mieux du temps où les ouvriers étaient tous des artisans, parce que là, on n'était pas dans la grande industrie, donc on n'était pas dans le totalitarisme. Donc, il faudrait revenir, alors là, on revient dans toutes les lubies de ce qu'on appelle le socialisme féodal. Et là encore, on voit vraiment la frontière, oui, c'est ça. Pour répondre à la question du jeune homme, il y a une manière beaucoup plus simple. On a rappelé les circonstances historiques tout à l'heure, au moment d'être le code, le structuralisme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je laisse Dominique et François répondre. Au PC, il y a un nom qui s'impose. Il va y avoir des choix qui sont faits. Je dis même au PC. C'est Althusser. Normalement, Kluskar aurait dû être le philosophe de référence du PC. Althusser et Garaudy. Et Garaudy, voilà. Or, c'est Althusser qui a été choisi. On le lit, Kluskar, au PC ou pas? Bien sûr. Ben, vous regardez la très courte vidéo d'Onfray. Pas souvent je recommande un truc d'Onfray, mais enfin, une petite négative, je veux dire. Ou après une causerie. Je fais une parenthèse sur Onfray, mais je reviens à votre question tout à l'heure. Là. Non, réponds d'abord à la question. Passons ça, on perd le fil. D'accord. C'est on parlait d'Althusser. Oui. Donc Althusser est le penseur, et c'est la ligne Althusser. Je tiens précisément pour les penseurs du rapport Althusser-Kluskar. À l'époque porte là, il y avait une revue qui avait un grand succès, qui défendait le Parti communiste, s'appelait La Nouvelle Critique, c'était la revue des intellectuels. Si vous regardez bien son vocabulaire, son lexique, son champ sémantique, c'était du Althusser d'un bout à l'autre. Il y avait une véritable OPA, n'est-ce pas, de la pensée d'Althusser sur... Althusser qui avouera plus tard qu'il a bien fallu qu'il se réclame de Marx parce qu'il avait une étude de révolte, tout ça, enfin bref, de toute façon. Mais c'est une manière de répondre à votre question d'avant aussi. Comme dit François, c'était inaudible. Il ne faut pas sous-estimer, je prends rarement l'argument générationnel, mais vous êtes trop jeune pour avoir vécu sur les épaules le poids de la guerre froide, le poids idéologique de la guerre froide. C'était inaudible, complètement. Reconnaître Kluskar, c'était compromettre l'immense stratégie qu'on commence à mettre en œuvre dans laquelle vous vous débattez maintenant, qui est justement de pervertir tous les concepts politiques. Et c'est pour ça que je reviens encore à votre question, parce que les deux sont liés. Quand vous avez un Onfray aujourd'hui à propos de confusionnisme, parce que la confusion, moi j'en ai aussi, on n'est jamais à l'abri d'une confusion, nous ne sommes pas des dieux. Mais le confusionnisme, la confusion délibérément entretenue, c'est différent. Lorsque vous voyez un Onfray qui finit par nous faire comprendre qu'en gros les communistes étaient des collabos et que Albert Camus, rien à dire contre comme auteur, mais enfin, je veux dire que l'Algérie française était au contraire un résistant. Je veux dire, vous ne savez plus où vous en êtes, là. Alors, il fait un peu comme Sarkozy qui prend Guy Môquet un jour, comme ça, après avoir combattu les communistes. On ferait nous expliquer Guy Môquet était collabo. Mais oui, non, bien sûr. Stalinien, donc on a bien fait le fusil. Tout à fait. Alors voilà, oui, je veux dire, quand on est à ce niveau de confusion, mais je pense à ces jeunes gens, parce que j'ai de la sympathie pour eux, tous ces jeunes qui, dans la confusion, est quelquefois attiré par un discours soralien ou autre, je veux dire, ou gothique, j'en sais rien, peu importe. Les sophistes n'ont jamais manqué. Ce sont des consciences malheureuses, ces jeunes, pour prendre une expression de Hegel, quand même, je veux dire. C'est qu'ils ne sont pas satisfaits par le discours qu'ils ont, par le discours dominant. Et ils trouvent dans Kluskar, il a un gros succès auprès des jeunes. C'est quand même intéressant.
Alors que ce succès soit vécu dans la confusion de jeunes cervelles dont on a totalement, je n'ai rien contre la jeunesse, loin de là, mais dont on a totalement retiré la référence marxiste depuis 40 ans, comme étant une vieillerie, un archaïsme, etc. Enfin, il n'y a rien de dissuasif. Et là, j'en viens au concept de monde, qui a été soulevé par Samuel, qui est peut-être le plus profond de Bouscard. Je veux dire, comprendre ce que signifie l'épithète mondain chez lui, c'est capital. Je rappelle que c'est une notion empruntée à l'Évangile. L'Évangile ? Oui. Bon, rien n'est pas de soi. D'une part, il y a le monde qui se revient tout le temps dans l'Évangile, hein, et le diable est appelé le prince de ce monde. N'oubliez pas, le mal est identifié comme le prince de ce monde. Dans le jeudi saint, le prince de ce monde vient, mais il est déjà vaincu, etc. Et mon royaume, à moi, n'est pas de ce monde, comme vous le savez. Je veux dire, c'est important, ces notions de monde. Il y a une grosse confusion que l'écologie entretient entre le monde et la terre. Et en quoi vous voyez ça mondain ? Je suis en train d'expliquer. Il y a une grande confusion entre le monde et la terre. La terre, c'est une notion, moi je ne suis pas spécialiste, c'est aux astronomes que je laisse ça, aux géologues. La terre, c'est une donnée naturelle, n'est-ce pas ? Le monde, c'est ce que les hommes en ont fait. D'ailleurs, vous savez, quand on dit « je sors dans le monde ce soir », le monde, c'est une histoire entre hommes. N'est-ce pas ? Un monde, c'est quelque chose de structuré, quelque chose d'hiérarchisé, d'organisé, comme le monde égyptien, ou le monde hindou, ou le monde romain, on ne sait rien. Donc, première chose, bien insister sur le monde. La terre appartient à la nature, le monde appartient à l'histoire. Je continue juste sur cette point-là, parce que j'ai pas envie le père m'enfile. Donc, il y a une notion évangélique. Le monde, c'est rentrer dans le monde, c'est jouer le jeu de cette lutte de classe au sommet de laquelle il y a, c'est pas la seule fois, pour être où le Christ est violent dans les évangiles, c'est quand il chasse les marchands du temps, faut pas oublier, c'est la seule fois. Il est violent à plusieurs reprises, quand même. Ne faites pas de la maison de mon père un bordel, c'est pas dit comme ça, on traduit uniquement par une maison de trafic dans les traductions. Voilà. Donc, j'insiste sur le premier point, le monde, c'est pas la terre, et l'épithète mondain que vous retrouvez. Il n'y a pas de référence évangélique, il était parfaitement athée, Michel. Mais par contre, je veux dire, vous trouvez dans la littérature, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas imaginer la scène de la première rencontre dans La Princesse de Clèves dans une certaine notion de la mondanité féodale ou aristocratique, par exemple. Oui, oui. Voilà un énorme de code, tenez, n'est-ce pas ? Et en rouge et le noir, il y a 30 pages pour que Julien Sorel attrape la main de Madame de Rênal. Je dis ça parce que Bouscard était fou de ces 15 pages en disant « ça, c'est de l'érotisme ». Oui, c'est autre chose que bataille. C'est autre chose que bataille. Hein. Comment bon. Et oui. Et donc, mondain, je vais vous donner un exemple maintenant, pour penser que les généralités. Vous entendez souvent dire maintenant, quand quelqu'un a marqué un point, un argument là, contre l'idéologie dominante, c'est plus compliqué que ça. J'appelle ça, au Bouscard, j'appelle ça à la suite, voilà une chose que je dois à Michel, un argument mondain, qui n'a aucune valeur théorique, mais qui fait effet auprès de l'auditoire. Exactement comme un mauvais avocat va impressionner un auditoire, ou un sophiste, hein, l'histoire de la philosophie, tout simplement. À savoir, vous êtes du côté des choses simples et frustes. Moi, je suis du côté du complexe. Alors évidemment, pour les tiers qui écoutent, c'est vite vu. Hein. La sympathie, ben, celui qui est complexe, parce que quand on fait croire que c'est complexe, c'est profond. Hein. Si je ramène comme ça, si je reviens à la planète Mars comme le premier qui en revient, et je vous dis, dans ma boîte, j'ai un objet que vous avez vu nulle part sur Terre, vous allez, il n'y a rien dans la boîte. Mais vous avez tous baissé la tête. Voilà. Ben oui, un prestige de l'inconnu. Voilà, donc, je veux dire, ou lorsqu'on dit, bon, maintenant ça suffit, dans le parti, on a besoin, il y en a marre des trucs sclérosés, on a besoin d'une nouvelle jeunesse, mais c'est simplement mondain, c'est quoi ? Mais les jeunesses hitlériennes, ils étaient jeunes, j'ai jamais vu en quoi la jeunesse est une garantie de salubrité politique, aussi peu que la vieillesse d'ailleurs. C'est quand même important. Ce sont des arguments mondains, et Bouscard a passé sa vie à les dénoncer. Ces concepts mondains qui se font passer pour des arguments constitutifs, politiques, voire historiques. Voilà. C'est juste que je voulais faire sur la notion de mondain, on y reviendra, mais elle est capitale, parce qu'elle articule aussi toute son analyse du romanesque, qui est d'une richesse inouïe. Oui, vraiment. Oui, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, son besoin de reconnaissance de Bouscard. Et je trouve que c'est assez paradoxal par rapport à sa connaissance profonde, enfin de ses propres déterminations sociales. Et en fait, moi, je voudrais plutôt retenir justement la connaissance profonde qu'il avait de ses propres déterminations sociales et, par ricochet, de celles qui nous font prendre prendre connaissance par rapport à nos propres déterminations sociales. Je pense que c'était, enfin, je sais que Spinoza a dit un jour la liberté, c'est l'intellection de la nécessité. Repris par Marx et Engels. Et que. Je pense que par là, Bouscard était un hyper-spinoziste, si tu veux, en sens où il disait, la liberté de Bouscard, c'est la connaissance de ses déterminations sociales
profonde. Être libre, hein. C'est pas seulement ça, c'est que justement l'effet dont tu parlais, Samuel, l'émancipation ou l'effet de catharsis que peut nous apporter Kouskar, il est bien là, c'est dans cette liberté, si tu veux, qu'elle nous apporte de la connaissance de nos propres déterminations sociales dans la vie. Concentré à travers l'intervention de Samuel. Et que dans ton livre, effectivement, il est quand même assez snobé quand même par rapport à tout cet environnement mondain. Mais je pense qu'il en a la connaissance également. Et pour ce que tu disais, faire dépendre sa vie du vrai, bon, je pense qu'il ne rentre pas dans le jeu, dans ce jeu-là. Quoi, hein. Donc il a cette connaissance-là et il l'assume. Quoi. Il l'assume bon, avec l'affection, le fait qu'il doit être affecté par ça. Quoi, mais... C'est compliqué de répondre à ce que tu dis. Bon, effectivement, la connaissance de cette détermination, soit, bon, j'espère qu'on en est tous là. Bon. Mais il y avait chez lui quand même un manque de maîtrise des codes du mondain qu'il aurait voulu avoir. Et il avait besoin qu'on l'assiste pour ça. Bon, il écrivait une lettre, enfin des choses toutes bêtes. Hein. Déjà, il avait une écriture de gosse de primaire. Bon. Donc, sur les cahiers d'écolier. Oui. C'est des petites choses, hein, mais je veux dire, tout ça, ça le... Comment dire ça, c'est pas... Il s'en foutait royalement quelque part, mais comme malgré tout, il avait un désir... Mais est-ce que c'était pas surtout le désir de faire... connaître ses idées. Ah oui, c'était le désir de reconnaissance. Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, je suis d'accord, c'est inséparable, mais ne pas oublier que c'était surtout ça. Bien entendu. Bon, voilà. Il faut un courage énorme. Hein. Mais est-ce que ce n'était pas aussi un désir chez lui de prendre une revanche j'entends bien, hein, pas au sens petit garçon qui veut se quereller, qui veut... Non. C'est que, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, je pense que dès le départ, il s'engage dans un travail titanesque, ça a été dit, mais aussi sur le fond, complètement, radicalement, il s'oppose à tout ce qui se construit dans le domaine. Évidemment, on l'a dit aussi sur le plan de l'économie, mais surtout ce qui accompagne tout ça. Et lui, il prend dès le départ... il s'inscrit contre. Il n'a donc aucune chance d'être reconnu par ceux qui le dénoncent à chaque pas, à chaque ligne. Sa parano fait partie de son désir de reconnaissance. Hein. Les deux sont liés. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on en parle de Rousseau. Je me demande aussi si, par un malin plaisir, il ne souhaitait pas aussi à un moment donné l'emporter. C'est-à-dire avoir une vraie reconnaissance, pas seulement la reconnaissance, évidemment, petit plaisir de passer à la radio. Mais lui, enfin, pour l'avoir un petit peu connu, moi, j'ai senti chez lui un besoin aussi de... il partait de Gaillac, hein. Ben oui. C'est l'amour fait à Paris. Et puis, il y a donc un peu comme les matchs de rugby, hein, comme qu'il aime beaucoup, enfin, enfin, je l'ai souvent vu comme quelqu'un qui se bat. Il y a une dimension du combattant chez lui. Même si c'est dit avec humour, en permanence, c'est pas le... C'est pas... Bon... C'est un combattant qui est tout l'inverse d'un sectaire. Toujours pareil, c'était un combat douteux avec des gens dont il ne maîtrisait pas tout à fait les codes. Oui, c'est pour ça que je voulais préciser que pour moi, bien sûr, mais je pense qu'il l'avait accepté. Enfin, quelque part, il l'avait intégré. Je n'ai pas les codes. Et c'est pour ça que d'ailleurs je garde mon accent et qu'il m'emmerde. Je les emmerde aussi surtout. Non mais voilà, donc il y a une sorte de dialectique aussi. Il avait accepté ça pour aller au-delà et peut-être, espérait-il être reconnu pour le contenu de son œuvre, pour ce qu'il avait. Bien entendu. Voilà. Bien sûr. Non, mais c'était pour un peu rééquilibrer par rapport à la mondanité. Je peux dire un truc là-dessus Kouskar, c'est l'auteur de L'Amour fou, traité de l'amour fou. Oui, c'est vrai. Traité de l'amour fou, je signale le titre. Ce qu'il voulait, c'est l'amour fou, c'est-à-dire être aimé pour lui-même, jusqu'au bout. C'est ça, c'est un gros saut, c'est la même chose. C'est pas... Oui. C'est, bien sûr qu'il regardait ses codes, mais à aucun moment, il y a une intransigeance chez Kouskar, du début à la fin. C'est que...
Bien sûr qu'il fallait, il fallait passer par certains cénacles pour être publié à l'époque. C'est obligé. Un livre coûte 5 fois plus cher qu'aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça le clé. Mais pour lui, de toute façon, il avait tellement intériorisé la lutte des classes, parce que pour lui, la lutte des classes, c'est pas simplement un parti comme un autre. Hein, je vais parler du parti, mais pour lui, ça commençait dès Althusser. Pour lui, Althusser, c'est l'ennemi de classe, même au sein du passé. Et c'est pour ça qu'il a une sorte de... Contrairement à tous les gens qui sont dans le panthéon portatif de Badiou, pour eux, c'est les ennemis de classe. C'est ça, tout ce moment philosophique français, etc. C'est... Bon, alors, peut-être que c'est un petit peu... Des fois c'est peut-être parfois à la porte-pièce, mais... Il y a tout le dossier. Ah, oui, ça, c'est... Il a raison aujourd'hui, c'est ça qui frappe tout le monde. Voilà. C'est qu'on voit bien où nous a emmené ce panthéon portatif, comme voilà, tu dis, et on voit très bien l'actualité des idées de Kluskar. C'est ça. C'est ça qui serait bon partout. À cette intransigeance-là, et c'est pour ça qu'il a théorisé d'ailleurs l'amour fou, et d'ailleurs c'est encore un des paradoxes des philosophes, de même que Rousseau a écrit les Mille sans s'être occupé des enfants, il n'a pas pu le faire. Hein, non. Ou Schopenhauer a parlé du fait qu'il fallait accepter la mort et choisissait les villes en fonction du taux de mortalité. Bon, mais Kluskar a écrit l'amour fou et je crois pas savoir qu'il était jamais marié ou qu'il ait jamais abouti à ça. Ce qu'il voulait, c'est cette intransigeance-là, parce que ça a beaucoup à voir, je te fais d'accord avec l'intervention qui a eu lieu, ça a rapport avec l'idée même de révolution. C'est-à-dire que le jour où je serai élu, c'est très personnalisé, il a personnalisé un peu la révolution, il l'a porté en lui-même. C'est pour ça, il est lui-même une sorte de synthèse, puisqu'il vient quand même d'un milieu plutôt prolétarien, même si sa mère était instite. Et il était persuadé qu'il avait tellement intégré ce discours marxiste, il le portait en lui-même, c'est vraiment, il s'était approprié les grands moyens de production et d'échange de l'esprit. Et il pensait vraiment que il y avait un côté, une sorte de parousie, c'était ça qu'il voyait littéralement. Donc effectivement, que ça le, il voyait sur le mode ultra personnel, je pense que ça c'est une énorme solitude, parce que je le voyais bien, je l'ai connu à la fin de sa vie, comme, dans un rapport d'éditeur. Je voyais bien, il pensait qu'il y aurait justement le moment, la révélation, apocalypse, où vraiment, parce qu'il avait tellement intériorisé, tellement porté en lui-même dans une immense solitude, il pensait que ça se ferait surtout immédiatement par la reconnaissance du texte. Bien sûr qu'il y a des tas de médiations, bien sûr que ça marche pas comme ça, mais s'il n'avait pas eu cette folie-là, cet amour fou-là, s'il ne portait pas ça, il n'aurait jamais pu écrire, il écrivait tous les jours. Et moi, je l'ai très peu connu, je l'ai connu à la fin de sa vie, mais je peux vous dire que au quotidien, c'est un vieux monsieur sympathique qui n'était pas dans les envolées, il bossait tout le temps. Alors que, comme de toute façon, quand on était dans un rapport amical, bien sûr, il y avait des saillies, des choses comme ça, mais voilà, les gens qui bossent, souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire, hein, ils n'ont pas épaté la galerie. Quoi. Les années où j'ai pratiqué, il écrivait, parce qu'après, je travaillais à l'étranger, le compte était suspendu, mais avant de reprendre, mais il écrivait tous les jours, plusieurs pages tous les jours, sur son cahier de collier, avec son écriture de infantile. J'ai calculé qu'il avait passé 80 mois en Corse toute sa vie, tu vois, parce que venant tous les étés de moi depuis 64, et tous les matins, donc à Calvi ou ailleurs, il écrivait ses 10 pages d'écolier. Donc en fait, il a écrit une grande partie, enfin ça c'est pour le prestige de notre île, hein, mais il a écrit une grande partie de son œuvre en Corse. C'est l'île pour laquelle Rousseau a fait un projet de constitution. Je reviens au traité de l'amour fou, parce que une petite anecdote qui va te faire rire, parce que tu vois, à la fois ce côté, cette volonté un peu naïve de reconnaissance, c'est que je me rappelle à l'époque, on avait un peu fait le service de presse ensemble, il tenait absolument que ça soit envoyé à toutes les rédactrices de journaux féminins en disant ça va leur plaire. D'ailleurs, pour certaines catégories, certains codes auxquels il s'intéressait, est-ce que vous pouvez nous parler, je me souviens apostrophe où il évoque la sociologie du vêtement à travers le jean, et également la musique, donc tous ces aspects qui sont éminemment... marxiste d'une certaine manière, qui sont des aspects concrets de la vie quotidienne et sur lesquels il avait quelque chose qui peut-être parle un peu aux jeunes ou ceux de ma génération, il me semble. Si jeune que ça, mais ce qui est tout à l'honneur. Et ensuite on conclura parce que le temps file et il faut qu'on laisse pas, un peu de place. Les vêtements et moi la musique, c'est comme Dieu. Oui, pour la dédicace. Bon, je sais pas comment répondre à ça parce qu'en même temps il n'était pas dans une analyse à la Baudrillard, enfin société de consommation, bon, les. Une discussion ensemble, en fait. Hein? C'est pas... Oui, non, mais... Bon, comme il dit, d'ailleurs, à apostrophe, il dit... D'ailleurs, Pivot lui dit, mais vous portez un jean? Il dit, ben alors, je pratique les us et coutumes de mon temps, quoi. Réponse à Descartes, hein, je veux dire, c'est...
c'est pas pour lui un phénomène tellement important. Un marqueur. Je veux dire, le consumérisme tel qu'on l'entend de nos jours, c'était pas du tout sa manière de penser. Voilà aussi un des contresens que font souvent les jeunes qui sont réceptifs à l'œuvre de Mouskar, ils le prennent comme complice de la critique du consumérisme, ce qui est un contresens fondamental, parce que Mouskar dit, s'il y a une société de consommation, dites-le moi, allez, j'y vais tout de suite. C'est le rêve, ça. C'est le communisme réalisé. Une société où on ne produit plus, on fait consommer. Vous voulez que je vous dise, hein? Et comme il disait très bien, il n'y a pas de société de consommation. Il y a des classes qui consomment, il y a des milieux où on consomme. Une société qui consomme, je demande encore à l'avoir. Société qui produit, oui, parce que la plupart du temps, on vous dit les usagers, les consommateurs, en oubliant que ces mêmes gens sont des producteurs de valeur, quand même. Voilà. Mais en ayant un regard sociologique sur, tout à fait, sur le vêtement. Enfin, vous pouvez répondre précisément à votre question qui est quand même très concrète et intéressante, mais qui est difficile. Enfin, pas difficile, qui demande pas mal de médiation, en tout cas. Mais on peut s'étonner qu'avant Mouskar, il n'y ait pas eu, comme vous dites très bien, d'approche marxiste des éléments qui semblent être le plus rebelle à l'approche des catégories économiques, si vous voulez, pour parler grossièrement. Je pense à la consommation musicale, à des choses comme ça, telles qu'elles sont développées de la manière la plus exhaustive dans le capitalisme de la séduction. Hein. Qui était son plus gros succès de librairie, je crois, une quinzaine de milliers d'exemplaires à l'époque. Hein. Donc, dans le capitalisme de séduction, vous avez bien l'explication de ça, c'est qu'il y a déjà une dénaturalisation des problèmes. Je ne vais pas égarer la musique sur les rythmes cosmiques, naturels. Dès le départ, ça revient à une discussion sur le code tout à l'heure, il y a un temps proprement humain créé par l'histoire, créé par la praxis, et qui exprime très bien la métrique musicale dans quelque société que ce soit. Il est vraisemblable que dans les sociétés préhistoriques, la musique était surtout métrique. Je sais pas. Ce temps-là est un temps profondément humain où on retrouve tous les moments de la société. Il y a la récurrence, la régularité, je préférais la récurrence, la répétition du même maître, surtout dans les musiques les plus nulles d'ailleurs, où il n'y a plus que la répétition. Ça. C'est un moment essentiel, c'est un moment de la sécurité, c'est important pour l'homme aussi, n'est-ce pas ? De la sécurité, d'avoir quelque chose, une détermination, une précision. Et puis il y a le moment de la mélodie, de la subversion, des enrichissements harmoniques, qui est au moment de la différence, au contraire de l'identité, de la répétition. Voilà, hein, très rapidement, c'est un peu technique, mais je suis sûr qu'on se comprend. Et c'est le premier qui analyse ça, non pas seulement en termes formalistes, comme je viens de le faire, qu'on pourrait le trouver dans n'importe quel manuel d'esthétique, ce que je viens de dire, mais en le liant à la praxis. C'est ça qui est catastrophique. C'est pas un hasard, pour répondre à votre question, non pas par une analyse, pour être autant, mais par un exemple que vous allez bien comprendre. Si c'est aux mêmes époques, dans les années 60-70, qu'on assiste à l'explosion de styles musicaux, je dis style pour éviter genre et forme, pour être plus exhaustif. Style musique, c'est rock au sens extensif, pas le rock and roll seulement, le rock au sens d'une esthétique, au sens où c'est une manière de faire des pochettes de disques. Le rock et le baroque chez les classiques. Quel rapport entre Vivaldi et Sex Pistols, c'est rien. Et j'ai référence que je peux, excusez-moi, je suis vieux. Et la référence, elle est musicale, c'est que c'est la même métrique. Métrique régulière, temps contre temps, ça swing, n'est-ce pas ? Comme il le disait à tout bout de champ dans ton livre à une époque, n'est-ce pas ? Il arrivait à un restaurant, il dit, c'est bien ici, ça swing. C'est très, très important de voir ça. C'est venu au même moment, pourquoi ? Parce que c'est la première fois que la société autorisée économiquement et financièrement par le plan Marshall rentre dans la quotidienneté. La vie est moins sombre. Ben oui. Je vous donne un exemple très simple comme ça, mais voilà. Qui songerait en général, les gens qui s'écoutent des gravures de Monteverdi, de Vivaldi, méprisent les jeunes rockers et vice-versa, les rockers le classique, c'est des prises de tête pour les riches. En fait, c'est la même. Quelque part, ça répond au même besoin musical des deux. Voilà. Peut-être une conclusion, là, par notre auteur du jour. François. Pardon, excuse-moi, je suis tardive et j'appelle ça, moi, le phénomène baroque B-A-R-O-C-K. Donc, pour en revenir à. Oui, conclure sur avec Mouskar, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire là ? Ben, disons, le titre, hein, avec Mouskar, ça veut dire avec lui, en sa compagnie, en même temps, en le suivant de manière idéologique. Hein. J'ai essayé de mettre les deux composantes à travers cette expression. Voilà, J'ai une petite conclusion juste ouais, à vas-y, non, vas-y. Non, mais très, encore plus courte. Moi, c'est pour conseiller à tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Mouskar de faire des allers-retours permanents entre l'homme Mouskar tel qu'il est dans ce livre concret et ses ouvrages théoriques. Voilà.
Bien, merci à tous les deux. Madame. Je ne connais pas du tout l'auteur. Par quoi il faut commencer? Par quel livre alors? Est-ce que c'est Lettres et le Code ou... On va faire trois questions, l'éditeur va répondre et nous on va répondre, oui. C'est ça oui. Allez. Moi je dirais Lettres et le Code. Oui, alors. Je suis désolé, mais c'est le plus gros, c'est le plus long. C'est bon, il faut savoir que c'est quand même un ouvrage assez dense. C'est pas le plus facile pour démarrer, voilà, on va dire. Non, soyons clairs, si c'est pour l'étude des mœurs, consommation musicale, vestiment, le capitaine de la séduction, un chef-d'œuvre. Si c'est pour ce qui est de l'analyse proprement théorique, philosophique, critique du libéralisme libertaire, qui est en gros un tableau de la pensée française de Sartre à Derrida. Ça, ce serait mon choix. Ouais, qui vient d'évoquer. J'ai aussi le sérieux frivole. Hein. Parce que c'est toi qui l'as édité. L'éditeur a-t-il une recommandation sur son fond? Le traité de la bouffe. Une prescription sur Norvège. Mais que j'ai, là, mais dans la vieille version. Voilà, et néofascisme et idéologie du désir, parce que oui. Ça, on le voit in situ et on voit à quoi il s'oppose. Voilà, vous n'êtes pas bien avancé. Voilà. Bon, merci à tous.